Salut, alors c'est le petit matin, je suis au café et j'ai un projet à faire, j'ai vraiment la flemme de m'y mettre, donc je me suis dit que peut-être si j'en faisais une vidéo, ça me motiverait un petit peu plus, donc je vais essayer. Je sais pas si cette vidéo sera postée d'ailleurs. Le projet, c'est un projet de réaménagement, une sorte de home staging virtuel 3D, dont je parle beaucoup sur Instagram en ce moment si vous me suivez là-dessus. Et voici les photos du bien, donc vachement chargé, bon. Voilà, c'est difficilement vendable, on va dire, c'est pas très sexy. Et le petit truc en plus, c'est que j'ai un plan, ce qui est assez rare. En général, j'ai plutôt un croquis à main levée avec des dimensions prises à la volée. Donc là, j'ai un plan assez précis, donc ça devrait aller assez vite à modéliser. Et je me donne, allez, à la matinée, là, il est 9h, 9h30, je me donne jusqu'à midi pour faire le truc, midi, midi et demi. Et on va voir si ça marche. Donc, je vais faire par étape. Hein. Je vais vous montrer un petit peu par étape le travail. Alors, déjà, le débit dans SketchUp, je vais pas mettre le plan dedans parce que vous voyez que le plan, il est pas scanné, il est pas droit. Donc, je peux pas m'y fier. Je suis obligé de le regarder. Et je vais essayer de prendre les grandes valeurs. Là, 8,04 m par 9,97 m. Donc, 8,04 m par 9,97 m. Ben, je vais commencer par faire un truc comme ça. Je sais que la longueur, elle est là. Donc, c'est 9, 997,804. Je suis en centimètres, donc si je fais entrer, ah, il me l'a mis dans l'autre sens, lui, bon, c'est pas grave, après tout, on s'en fiche. J'ai bien 997 ici et 804 là. Et là, je vais faire ça. Je vais faire que ça d'ailleurs. Je vais venir regarder cette photo. Je vais peut-être réduire un petit peu mon SketchUp pour avoir les deux. Pour que vous voyez, je vais pas le mettre sur l'écran. Hop, ah, c'est pas ça. Voilà, je me dépatouille un peu avec mes trucs. Et donc ici, je peux venir regarder les plans et venir écrire ici. Donc là, si je regarde les photos, pour un petit peu avoir le truc en tête, ça a fait un espèce de U comme ça, avec au milieu quelque chose et un escalier, la porte d'entrée là, porte-fenêtre de ce côté-là. Donc dans le plan, ça représente la porte d'entrée ici. Alors ça ne correspond pas vraiment à ce que je vois sur les photos, cela dit. Ah si, l'escalier juste à gauche de la porte d'entrée. Escalier juste à gauche. Donc là, c'est un garage, je ne vais pas m'en occuper. Ok, donc le garage, je vais déjà l'enlever. Donc lui, il fait 22 plus 389 plus 20. Donc je vais faire ça tout le temps. Je ne vais pas tout vous montrer. Hein. 389 plus 20, ça fait 431. Donc je suis dans ce sens-là. Et là, je vais retirer, donc, hop, 431 d'ici. Ouais, c'est ça, d'ici. 4,31 m, c'est pas beaucoup pour un garage, je sais pas. Et ici, j'ai 52. Alors, est-ce que j'ai la dimension exacte? Non, j'ai 20 plus 305 plus 22. 20 plus 305 plus 22. 20 plus 305 plus 22. Hein. Je pourrais le faire de tête si on n'était pas le matin, mais il est un peu tôt. Donc, ça fait 347. Voilà. Et là, je vais faire ça. Je vais me fier au guide et que je supprime cette partie-là. C'est le garage, ça m'intéresse pas. Donc là, j'ai la structure globale de ce que je vais faire. J'ai des murs de 20 cm d'épaisseur. Donc je vais prendre l'outil décalage de contour et hop, je dépasse comme ça et je fais 20 cm entrée. J'ai des murs de 20 cm qui sont mis tout autour et je vais commencer à reporter toutes les cloisons. Donc là, je fais ça en accéléré. Alors là, regardez, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure. Pour vous montrer que ça va très vite à modifier tout ça. J'ai fait une petite erreur parce qu'ici, la profondeur du garage, là, la partie que j'ai supprimée, j'ai dit que ça faisait 22 plus 389 plus 20, ce qui fait 431, hein, normalement. 22 plus 389 plus 20. Sauf que je m'aperçois en traçant ce petit muret ici, là, qui doit rejoindre ici le mur des toilettes, que ça ne correspond pas du tout. Et donc, en fait, j'ai oublié toute cette partie-là. 83 plus 20 encore. Donc, ça fait 83 plus 20, donc 103. Donc, je peux prendre toute cette partie-là, ce mur-là, finalement. Prendre l'outil bouger, bouger par là, bien sur l'axe vert, et écrire 103 cm entrée. Et ça y est, je recale le mur qui est censé être ce mur-là. Le mur des toilettes, qui est là. Je vois que j'ai encore quelques petites différences. Il y a un petit souci avec l'escalier. Alors, je vais voir si je ne me suis pas trompé encore sur le. Mais en fait, quand on se trompe, quand on suit le plan, les dimensions, les photos, etc., on tombe toujours sur ses pattes parce qu'à un moment, son erreur, on la détecte parce que ça ne correspond pas. Donc, je continue.
J'ai modélisé le plan à plat, grosso modo. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Maintenant, on va se concentrer sur SketchUp. On va faire les fenêtres. Mais avant ça, petit poussé tiré juste sur les murs. De, allez, on va dire 2,50 m, parce que là, sur le plan, est-ce que j'ai une indication de la hauteur sous plafond quelque part? Non, je n'ai pas. Donc, on va considérer, non pas la météo, on va considérer les photos. On va regarder la porte d'entrée. Alors là, ici, il y a carrément. Ouais, il y a ça. Alors, on a la hauteur du porte-fenêtre, de la porte-fenêtre sur le plan, et on voit qu'au-dessus de la porte-fenêtre, il n'y a pas grand-chose. On va peut-être aller à 30 cm. Donc la porte-fenêtre sur le plan. Porte-fenêtre, hauteur 215. Donc on va dire les 245 du coup. Hop, je monte ça, je tape 245 cm, je fais entrer, et je double-clique sur les autres parties que je vais faire monter au même niveau. Voilà, donc là j'ai mon plan d'appartement en 3D, sachant qu'ici c'est une fenêtre. Sur le plan, j'ai peut-être une indication de l'allège, non pas du tout, je sais juste qu'elle fait 115. Et là, il faut que je regarde encore une fois sur les photos et que j'estime, si je le vois, on l'aperçoit ici. Ben, il y a un plan de travail à 90, si ça doit être 20 cm au-dessus, on va les mettre à 105. Et on verra si c'est assez. Ensuite, on a dit qu'ici, on avait des portes-fenêtres à 215 entrées. Je fais un petit truc comme ça. Un petit trait avec le petit stylo ici. Tac, tac. Je prends cette partie, je fais un pouce étiré et hop. Et je vais faire pareil ici du coup. Je vais me fier au guide que j'ai fait. Je vais tout faire à la même hauteur. En général, on aligne les fenêtres et les portes pour les questions esthétiques sur la façade. Mais pas toujours le cas. Mais on va considérer que c'est comme ça. Donc là, pareil, 215. Pour la porte d'entrée, elle serait peut-être un peu plus basse, ça faut voir. Et hop. Voilà, la porte d'entrée, justement, on va regarder un peu si on va sur une photo. Ouais, on a du mal à juger, elle a l'air assez haute quand même. Donc on va laisser comme ça, par défaut. Maintenant, ce que je peux faire, c'est, si je suis maniaque, c'est gommer les trucs dont j'ai pas besoin, mais ça, c'est pas obligatoire. Comme je suis un petit peu maniaque, ben, je le ferai au fil du temps. Et on va faire les plaintes tout de suite. Je vous avais déjà partagé dans une vidéo une petite astuce pour faire les plaintes en deux clics. Une fois qu'on a le sol comme ça, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Et les plaintes, ça rajoute toujours un petit détail sympa. D'ailleurs, ici, j'ai des plaintes qui sont, je pense, assez basses. Ouais, elle doit faire 10 cm. Donc, je vais faire ça. Je décale le contour de mon sol comme ça. Je tape 1, ce qui fait l'épaisseur des plaintes. Et là, je fais un pouce étiré sur tout. Je mets 10 cm. Et partout, dans le moindre recoin, j'ai des plaintes en quelques clics. Il me reste juste à les retirer à l'endroit des portes. Donc, je pousse, tire et je supprime l'arête du haut. Hop, je me mets là. Pousser, tirer, je supprime l'arête du haut. Voilà, donc je vous reprends juste après quand je commence à texturer ou mettre la lumière. Je sais pas ce que je vais faire. Ah oui, un petit truc. Pensez à sauvegarder parce que SketchUp, c'est quand même pas super stable. Donc, je vais sauvegarder et puis après, ça, je pourrais me permettre d'avoir des petits bugs. Alors, j'avance un petit peu. J'ai fait des portes, des fenêtres, et j'ai pas fini d'ailleurs de faire les portes et les fenêtres. Et j'ai fait le carrelage. Et le carrelage, je l'ai fait avec l'extension architecture dont je vous parle dans un tuto que je vous mets en lien sans doute à la fin de cette vidéo ou en ce moment quelque part sur l'écran, qui permet de faire n'importe quelle texture, enfin pas n'importe quelle, mais vraiment de créer plein de carrelages, plein de parquets, plein de formes différentes de carreaux. Et c'est vachement, alors là pour du carrelage tout blanc comme ça, c'était vraiment, vraiment facile. Donc j'ai utilisé architecture. Et pour faire les portes-fenêtres et les fenêtres, je vais utiliser l'extension 1001 Bit Tools, qui est bien connue de ceux qui utilisent SketchUp. Il suffit de fermer l'ouverture avec un plan comme ça. 1001 Bit Tools, c'est cette grande barre ici. Et quand je viens cliquer sur Frame, c'est-à-dire cadre de porte, hop, j'ai ça qui apparaît. Je choisis le profil de ma porte, quelques dimensions qui me sont apportées ici, je vois sur le plan, je fais Create, et voilà, ça me crée directement un cadre. Ensuite, je vais refermer à nouveau hop, ça pour créer les vantaux en fait, de la fenêtre. Voilà, ça, j'ai deux vantaux sur les portes-fenêtres, donc je vais venir au milieu tracer une séparation. Et voilà, j'ai une partie droite, une partie gauche, et je prends cette fois l'autre cadre, celui où il y a un bas. Je remets à peu près les mêmes dimensions, je fais OK, et voilà ce qui se passe. On a créé ma fenêtre, j'ai juste à venir mettre dessus, à remettre un peu. Une matière, la même matière que j'ai mis sur les vitres. Tac, j'arrive à récupérer ici avec la pipette.
les vitres, voilà, hop. Je mets là et je fais un petit pousser tiré parce que n'oubliez pas de donner un petit peu d'épaisseur à vos vitres, ça évite bien des problèmes. Une fois que j'ai fait ça, ben, je vais pas m'amuser à créer la deuxième partie. Je supprime, je prends celle-ci et je la duplique en la mettant là, en faisant, si je veux, un petit décroché là. C'est vraiment marquer, hop, marquer une différenciation. Voilà, je me suis trompé. Ok, il ne veut pas y aller. Si. Voilà, on peut matérialiser un petit truc là en renfonçant comme ça entre les deux vantaux. Pour le rendu verré tout à l'heure. Donc maintenant, la fenêtre, je vais un petit peu faire comme si c'était une vraie baie vitrée. C'est-à-dire que les deux vantaux ne sont pas forcément de toute façon même. Voilà. Il faudrait que je trace un truc par terre. Allez, on va le faire. Puisque je le dis comme un rail en fait. Mais là, je vais vraiment dans le détail. C'est comme un rail, comme ça. Alors, attention, SketchUp décontraste quelque chose, il nous ferme tout. Voilà. Cette partie-là. Ben, je vais lui mettre une matière un peu grise, que je me rendrai métallique tout à l'heure. Je le monte, je fais un petit pousser tiré comme ça. Il a dû se faire aussi de ce côté-là, voilà. Hop, alors, il y a un petit trou, j'ai l'impression, ici. Oh, c'est bizarre, hein. Ça c'est SketchUp dans toute sa splendeur, qui nous crée des traits là, on n'a pas demandé, voilà. Quelque chose comme ça. Et puis là, pour aller vraiment vite, je vais faire des décalages. Un petit décalage. Oh mince. Comme ça. Un autre. Comme ça. Et là, je vais faire monter, descendre, monter. Puis on va croire à une sorte de rail. Bon, voilà. C'est pas très précis mon truc, mais ça va marcher. Tac, tac. Tiens, tout ça, je vais le faire. Alors, faire dépasser un petit peu du mur, en général ça dépasse quand même 1 cm. Et voilà, je vais prendre ce truc là avec le rail que je me suis embêté à faire en dessous. Clic droit, j'en fais un groupe et même un composant. Et je vais le dupliquer et le mettre de l'autre côté puisque la deuxième porte-fenêtre est exactement la même taille. Hop, je vais placer ça dans l'angle, je vais le décaler d'un centimètre. Hop, voilà. Donc j'ai toutes mes fenêtres, toutes mes portes, il me reste qu'à faire la porte d'entrée qui est un peu spéciale puisqu'elle a un petit imposte au-dessus là comme ça. Ah mince. Voilà, même pas d'imposte, c'est un truc. Donc ça j'ai essayé de trouver sur la 3D Warehouse et puis voilà, bah, je reprends un petit peu plus tard. Alors je profite de cette vidéo que je suis en train de faire sur un projet de homestaging virtuel 3D pour vous parler d'une formation que j'ai sortie à ce sujet-là, entièrement dédiée à ce sujet-là. Donc, si ça vous intéresse d'apprendre comment on fait ce genre de choses, que ce soit à partir d'une photo ou à partir d'un plan, comme je le fais là, savoir comment on met ça en avant avec des petits sliders avant, après, là, je vais vous mettre à l'écran. Bref, je vous apprends plein de choses là-dessus. Je parle des tarifs, je parle de comment gagner du temps, comment faire ça vite. En fait, j'utilise toutes les techniques que j'ai appris au cours des années où j'ai fait ça, du homestaging 3D, parce que j'en ai fait vraiment des dizaines et des dizaines. Et donc, si vous êtes intéressé à aller voir sur mon site, c'est rubrique formation complète. Et puis, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Alors maintenant, ce qui m'embête le plus à pas avoir à emporter une porte d'entrée, un escalier que j'ai trouvé sur Internet, c'est de refaire la cuisine parce que le client, il veut garder la cuisine intacte. Donc, je la vois pas beaucoup sur les photos, j'ai aucun plan. Donc, je vais faire un peu visuellement, puis je ferai des plans de long. Donc, si on regarde rapidement, j'ai l'impression qu'il y a un plan de travail ici, sous la fenêtre, avec un espèce de bar. L'évier est là. Et là-bas, c'est la partie cuisson. Puis là, j'imagine le frigo. Donc, je vais faire ça rapidement. Il y a un élément, un petit bandeau, un deuxième élément, sans doute un troisième. Donc là, je me suis fait une balise plafond, vous voyez, comme ça, où j'ai fait une niche avec l'escalier, la mezzanine. Donc, si je vais me mettre à l'intérieur, hop, ça donne ça. Un peu comme ce que j'ai sur la photo. Et je vais me faire une balise maintenant, hop, cuisine. Et je vais travailler là-dessus pour faire la cuisine que je pourrais masquer si j'ai besoin de l'isoler même, ça pourrait me servir. Donc, on a dit que une cuisine, ben, ça fait 60 dans ce sens-là, je crois, de profondeur, sachant qu'à la plinthe, on a 61. Et ici, je vais faire un élément de 60, suivi d'un bandeau de 20, suivi d'un autre élément de 60. Et il me reste exactement à peu près 128. Donc là, on va en mettre 2, 60, et puis voilà. C'est vraiment approximatif.
De toute façon, c'est pas, je suis pas cuisiniste, hein, c'est juste pour donner cette ambiance de cuisine. Donc il y a une plinthe, on va dire, de 10 cm. On va aller même un peu plus haute, je pense 12. 12 en tout, on va dire. Ok. Ensuite, de 12 pour aller à 90. Il m'a raison de 78, donc je vais faire hop, 78. Sachant que j'ai un plan de travail qui doit faire 3 cm. Donc là, je vais baisser de 3. 3 cm. Et 3 cm. Voilà. Le plan de travail, il est en une espèce de marbre bizarre comme ça. Donc ça, j'en mets sur architecture. Je peux aller dans pierre ici, catégorie. Tac stone. Et je pense que on va trouver quelque chose qui ressemble. J'espère. Un truc comme ça peut-être. Ouais, on va prendre ça. À défaut de mieux, je vais prendre ça. Ok, importer. Tac. La matière est arrivée là, donc je la mets ici. Et ça, donc on a dit 3 cm d'épaisseur. Voilà. Et donc, cette partie-là, elle rentre un petit peu. Non, c'est celle-ci qui va ressortir. Je sais pas, de 2, peut-être. Ouais, ça ressort légèrement. Et celle-ci, la plinthe qui va rentrer, je sais pas, de 3. Comme sur la photo, on voit la plinthe est en retrait. Maintenant, on va faire les espèces de portes. Vraiment, je vais faire un truc rapide. Je pars d'ici. Je saisis cette arête-là, je la duplique, je la mets à 60 cm. En plus, ensuite, je prends ça. Je vais laisser un petit truc de 2 mm entre les deux. 2 mm, voilà. Ensuite, ouais, on a dit 20 cm. Je duplique encore, je mets 2 mm. Je duplique encore, je mets... Alors là, on avait dit encore... Ah, par contre, vous voyez, j'ai fait un truc pas terrible. Là, hop, CTRL Z. Je vais prendre ces deux-là et je vais les décaler de tac 20. Je vais reprendre ces deux-là et je vais les décaler de 60. Et encore une dernière fois de 60 cm. Je me retrouve avec ça. Là-dedans, le premier c'est une porte, là une porte, là. Là, on imagine, je sais pas, non, ça c'est flou, donc là c'est encore une porte. Donc là, j'ai 3 tiroirs, dont 2 égouts. Tac, 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 tac. Donc c'est ici les tiroirs. Je vais prendre l'arête du bas. Je vais dire que le tiroir du haut est à peu près comme ça. Alors c'est vraiment visuel. Un petit peu moins même. Voilà. Et ensuite, là, je vais chercher la moitié de ce qui reste. Alors. Tac. Voilà, quelque chose comme ça. Et après, je vais prendre la moitié. Je disais que SketchUp me détecte automatiquement. Et là, je vais faire des écarts de 2 mm. À 2 cm, 2 mm. Donc, c'est peut-être un peu plus sur les tiroirs. Ouais, il y a un vrai écart. D'ailleurs, il y a un vrai écart partout. Voilà. Je me retrouve avec ça et là-dessus, je vais faire un petit décalage de contour supplémentaire. Et pareil, 3 mm, hop, 3 mm, 3 mm, 3 mm, en double cliquant. Et maintenant, je vais faire mes petits pouces étirés. Allez, de 1 cm. Voilà, donc là, j'ai la structure. Tout ça, je vais en faire un groupe. Et rapidement, bah, je vais dessiner les poignées. Alors les poignées, c'est simple, c'est une espèce de truc un peu allongé comme ça. À peu près ça. Légèrement arrondi, j'ai l'impression. Assez gros. Je vais faire des poignées comme ça. J'en fais un groupe puis un composant.
Hop, et ça, je vais le dupliquer ici et ici, vraiment à la louche. Je vais le dupliquer là-haut. Et je vais le dupliquer ici en le tournant comme ça. Voilà, c'est à peu près au milieu, ce qui est un peu étrange. Même. Et là, elle a l'air vraiment plus longue, celle-ci. Donc, à la limite, je vais la rendre unique. Et je vais l'allonger un petit peu. Ok, je vais prendre la matière que j'ai sur les poignets ici. Comme ça, j'ai la même matière de poignet partout. Je n'aurai pas à la régler plusieurs fois. Hop, 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 hop. Et je sais que ici, il y a à peu près la même. Voilà. Ok, ça, c'est ma cuisine. Là, je vais continuer comme ça pour faire le petit bar, le petit plan de travail et tout. Et puis, je vous montre après comment je continue. Donc voilà, le temps passe. Il est déjà presque 11 heures. Et si je veux finir pour midi, midi et demi, j'ai intérêt à me speeder un peu. Ça a été long de refaire la structure. La petite cuisine, là, finalement, je sais pas, j'ai perdu un peu de temps. Donc, je pense que j'ai reconstitué à peu près le truc. Maintenant, bah, je vais changer la déco parce que c'est tout ce qu'il y a à faire, c'est désencombrer, c'est pas vraiment un réaménagement, donc c'est pour ça que ça me branchait pas trop. Petit truc, le carrelage, il est à 45 degrés, donc là je peux faire un clic droit dessus, texture, position, et je peux venir tourner le rapporteur comme ça à 45 degrés. Voilà, tout poil ici, régler à peu près la taille qui me semble la bonne. Ouais, on va dire que c'est ça. On va laisser comme ça. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est simple. Hein, je vais changer un peu les couleurs des murs, mettre 2-3 meubles, créer une ambiance, des rideaux, des choses comme ça, et faire les rendus. Donc là, je vous passe l'étape de l'ameublement, parce que c'est pas le plus intéressant pour cet exercice-là, en tout cas. Et puis, je vous montre à la fin à quoi ressemblent les rendus. Alors voilà, il est midi et quart, j'ai les rendus à lancer, donc je suis un petit peu en retard, mais bon, ça devrait le faire. J'ai meublé vraiment sobrement en fonction des indications que m'a demandé le client, c'est-à-dire des choses, enfin, de garder le vert là, des murs à peu près, et puis le carrelage blanc, donc c'est pas évident de faire un truc sympa que ça, donc vraiment épuré. Et ça commence à ramer un petit peu, mais ça va, ça reste gérable. J'ai fait deux scènes. Une comme ça, et une où on voit la cuisine en profondeur, donc c'est le même appart, juste un peu désencombré, on va dire. J'ai paramétré les rendus, enfin pas encore, mais je vais mettre un light mix ici, comme je vous en parle dans la vidéo que j'ai fait à ce propos-là. Ça permet de régler les lumières et de les modifier même une fois que le rendu est terminé. Et puis, je vais rajouter quelques passes de rendu de compositing, au cas où j'ai envie d'aller sur Photoshop, ce qui m'étonnerait. Et puis, je vais lancer le rendu. Et je vous montre les rendus dans 2 secondes. Là. Enfin, moi, ça va mettre un peu plus que 2 secondes, mais je vous les montre tout de suite. Et puis, bah, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Alors ça, c'est le moment que je préfère dans le projet. C'est quand c'est l'ordinateur qui travaille et pas moi. Regardez. Voilà, j'ai lancé les rendus. Ils vont tous se faire. Enfin, j'ai que 2 scènes. Donc, elles vont se faire. Elles vont se sauvegarder toutes seules. Et moi, pendant ce temps-là, je vais aller manger un petit peu. Je vous montre ça juste après. Et bien voilà, c'est terminé, l'ordinateur a fini de bosser, donc voilà le résultat. C'est pas un projet que j'ai particulièrement apprécié parce que ça reste très basique et très. Enfin, l'architecture, je veux dire, c'est pas très excitant tout ça. J'avais pas beaucoup de changements à faire, le client voulait juste que ce soit désencombré. Donc voilà une image de ce que c'était avant, enfin ce que c'est en ce moment. Donc voilà, c'est encombré, on va dire. Et voilà ce que j'ai pu faire, c'est à peu près la même chose mais rangé avec des couleurs légèrement différentes, même s'il voulait que je conserve le vert. Et la deuxième image, c'est ça. Donc c'est plus épuré, encore une fois, c'est pas hyper excitant, mais ça m'a pris que 3h30 à faire grâce à vous, parce que sinon j'aurais du mal à m'y mettre. Donc merci pour ça, et puis moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto, ciao.